être pour moi, quand j'étais en classe, la venue de quelqu'un d'extérieur qui venait nous faire une conférence ou une rencontre, ça correspondait à « ouf, il n'y a pas cours ». Et donc, maintenant que je suis dans le rôle de celle qui vient, quelquefois je me dis « bon, c'est chouette parce que je représente une récréation, mais je m'attends toujours à ce qu'on me considère comme une récréation ». Et donc, quand on me considère comme autre chose, ça me surprend et ça me fait plaisir. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a certaines personnes, là, dans les rencontres, qui ont un peu envie d'écrire et qui se disent que c'est pas possible. Alors, pas forcément de publier, hein, d'écrire. Et je me dis que quand on rencontre quelqu'un qui le fait, on voit, pas dans ses méthodes, parce que je n'ai pas donné tellement de méthodes et de clés, mais on voit que c'est juste une façon d'être. Et peut-être que pour des adolescents ou des grands adolescents, comme j'ai vu, là, se permettre d'être et d'être eux-mêmes, ça va être peut-être quelque chose qui va pas les hanter, mais les intéresser. Je me dis que peut-être qu'il y a quelqu'un qui osera. J'ai beaucoup parlé du fait d'être dans sa vie et pas dans celle du voisin, en fait, d'être dans sa vie, dans sa perspective, dans son métier, dans sa passion. Et donc, par exemple, les réactions du garçon que j'ai vu aujourd'hui, là, qui avait l'air de dire « ah oui, en fait, c'est très important », comme si on pouvait se dire « finalement, je peux être moi, quel que soit le métier que je fais », c'est quand même ce qui va être le barème dans une vie. Alors, je me dis que si on peut se recentrer un peu comme ça, c'est pas mal. Je pense que ça m'aurait servi, ça m'est pas arrivé, en fait. Mais je pense que j'aurais aimé peut-être rencontrer un artiste me parlant de ce que c'était son métier, voilà. Parce que je pense que quand les artistes parlent de leur métier, ça s'applique à tout le monde et pas seulement à leur métier. C'est juste une façon de voir le monde. Et savoir plus tôt peut-être que le monde était aussi vaste qu'il y avait de gens, ça m'aurait ouvert une porte peut-être un peu plus rapidement. Je pense que j'aurais aimé en tout cas. Non, moi j'ai eu un doc de lettres modernes, ce qui n'était pas... Enfin, non, ça ne se résume pas au talent, ça se résume au travail. Et est-ce qu'il y a quelqu'un ou pas? Il y a plein de gens qui ne pourront pas écrire parce qu'ils auront beau écrire des livres, des pages, etc. On ne sentira jamais qu'il y a une personne à l'intérieur, c'est ça. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas de... Il n'y a pas de diplôme, c'est à côté. Le diplôme, il est pour soi, il est parce qu'on aime la matière qu'on étudie. Mais le livre, c'est vraiment... une expression artistique parmi d'autres. Tout ce qu'elle dit, ça a une importance, si on s'y intéresse. Moi, je sais que j'aime bien écrire, donc je me suis intéressée parce que j'aime écrire, et puis parce que moi, j'aime moins lire, mais je me suis intéressée à son roman. Je sais que si j'avais pas lu son roman et que si j'aimais pas l'écriture, je me serais jamais intéressée à ce qu'il disait. Ouais, je gagne quelque chose, je sais pas. C'était une belle expérience, quoi. Je sais que j'aime bien écrire depuis que je suis petite, que j'ai déjà pensé à être écrivain. Et de voir qu'elle, par exemple, elle n'a pas fait ça en fait pour que ça soit publié, elle a fait ça pour elle. Et au final, ça a marché. Donc je me dis que ça pourrait tout aussi bien marcher pour moi. Moi, c'est la première fois que j'ai rencontré un auteur, donc c'est vraiment chouette de savoir leur métier, de connaître ce qui les a amenés à faire ce métier-là. Je ne suis pas vraiment ce qu'ils font, mais ça m'intéresse, quoi. Je vais pouvoir plus lire et écrire, ça m'a donné envie d'écrire. Il y a plein de métiers, c'est vaste, et quelqu'un dit ça devant toi... Oui, quand on dit par exemple à nos parents « j'ai envie de devenir auteur », ils nous disent « oui, mais il faut que tu aies un métier à côté, il faut quand même faire des études pour avoir une sécurité ». Et pourtant, là, elles vivent très bien de leur passion, oui. Et j'ai toujours dans le coin de ma tête le fait d'écrire. J'ai toujours écrit quand j'étais petite et jusqu'à maintenant. Et ça me rassure en un sens. Ça résonne un petit peu de la tête, donc je vais essayer d'écrire plus. Ça va, ils sont des gens normaux comme nous, quoi. Voilà.
Moi, je trouve ça super important de pouvoir intervenir dans le lycée comme ça, parce que c'est vrai que la BD, c'est pas forcément hyper abordable pour les gamins. Ils n'y ont peut-être pas tous accès. Donc voilà, ça nous permet d'avoir des retours directs des lycéens, d'un public qui achète pas forcément la BD en librairie, quoi. Et c'est assez important. Il y a un vrai intérêt, même quand ils participent pas parce qu'ils sont gênés. Mmh. On les voit hocher la tête, réfléchir, essayer de répondre aux questions entre eux. Du coup, non. On se dit peut-être on a planté quelques graines. Ouais. C'est assez chouette ouais, d'avoir ce regard-là, un petit peu inédit, porté sur notre travail. Mm. C'est très rafraîchissant, moi, je trouve. Ouais. On repart à la maison, on a envie de réécrire des trucs. Exactement. Ouais. Il y a quelque chose de très important, c'est qu'une fois qu'on devient adulte et qu'on fait notre vie, on a une amnésie, on oublie complètement qu'on a été adolescent et qu'en fait la façon de communiquer avec les adolescents ou les jeunes, c'est juste de se raccrocher à qui on était et se souvenir. Mmh. Se souvenir que nous aussi on a eu le sentiment d'être incompris par les adultes, se souvenir que l'avenir ça fait peur. Ça peut faire peur et que parfois, pour se rassurer, on est orienté parce que les adultes vont nous dire qu'il faut nous orienter là et taire des envies oui. plus profondes et des passions. C'est ça. Du coup, c'est hyper important de pouvoir arriver en disant j'ai eu votre âge et je vous écoute et je vous entends et je vous comprends. Le métier que je fais aujourd'hui me paraissait complètement inaccessible à l'époque, quoi. J'avais pas les clés qu'il fallait. Par où commencer ? C'est ça, par où commencer. Donc, mais là, au moins, voilà, on rend le truc concret. Ben, j'espère que oui, on a semé des envies. Quoi. Mm. S'aérer la tête, regarder un film, prendre du temps pour réfléchir à autre chose, nous permet de grandir, d'être mûr et donc du coup d'avoir les capacités pour assurer ailleurs. C'est très important d'offrir une richesse culturelle. C'est quelque chose qui nous permet justement dans la vie de réussir et de se distinguer si on est nourri par, je sais pas, ça peut être la musique, le cinéma, la bande dessinée qui longtemps n'a pas été considérée comme de la littérature. Ouais. Qui a un peu plus de place aujourd'hui, par les romans, par le sport, parce que je considère le sport aussi comme une façon de s'échapper, d'avoir un rapport à son corps qui est très intéressant. Donc, c'est hyper important de pouvoir montrer autre chose que les maths, l'histoire telle que c'est enseignée, de les mettre dans un passage clouté, parce qu'il y a un moment, ils vont arrêter le lycée, ils vont arriver à la fac ou arriver dans la vie active, et que toute la richesse qui a construit leur personnalité, à savoir, je me souviens de quand j'ai commencé à la guitare, ou que j'ai fait du foot, ou que j'ai eu une passion, quelque chose, va leur permettre de se différencier. Et d'avoir un monde intérieur riche. Et ce monde intérieur riche rend des gens épanouis. Et quand les gens sont épanouis, tout va bien. Donc c'est hyper important.